Les gars, vous voyez ça? Ça, ce truc là. Ça, c'est une PlayStation 5. Elle est neuve, d'accord? Elle est toute neuve. On organise un jeu concours. Je vais la faire courte avant que la vidéo commence. Ceux qui veulent rester, ceux qui veulent gagner une PlayStation 5, restez. Ceux qui veulent pas, swipez. Mais si tu veux gagner une PlayStation 5 avec 1€, il te suffit de te rendre sur le site Futuratech. Le lien est en description. Pour participer, c'est simple. Tu vas sur le site. Tu commandes une dédicace à 1€, tu peux jouer plusieurs fois. Plus tu joueras, plus tu auras de chance de gagner. Le concours est lancé, il est ouvert. Vous pouvez jouer dès maintenant. Et en plus de ça, il y a déjà des gens qui ont commencé à jouer, mais vous n'êtes pas beaucoup les gars. Vous n'êtes pas beaucoup à jouer, donc ça veut dire que vous avez beaucoup plus de chance que tous les autres. En attendant, il y aura 3 gagnants. Il y aura un gagnant pour la PlayStation, un gagnant pour une manette et un gagnant pour une carte PSN de 50€. Donc en gros, pour 1€, tu as la dédicace personnalisée vidéo de Kamov que tu reçois par mail le jour même. Et en plus de ça, tu seras peut-être tiré au sort pour gagner la PlayStation 5 pour seulement 1€. Tous les liens sont en description les gars. Je vous laisse regarder la vidéo tranquillement. Le concours est ouvert, donc allez-y. 1€, c'est rien du tout, ça se trouve par terre les gars. Ciao. Internet, c'est Kamov, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Mais avant que la vidéo commence, je voulais vous parler de Sully Prono. Vous avez été nombreux à me demander qui c'est ton pronostiqueur. Eh bien la réponse, elle est là, c'est Sully Prono. Ça fait des mois et des mois que je le suis. Et grâce à lui, j'ai encaissé des milliers d'euros. Donc comme je suis généreux, je me devais de vous partager l'offre qui est en cours avec Sully Prono. Vous avez pour 1€ accès à tous les pronostics, donc profitez-en, c'est 1€ symbolique. Et puis si ça marche pas, tant pis, vous avez rien à perdre si ce n'est qu'1€. Ça vous permettra aussi de vous faire une idée sur son talent et ses pronostics, et pourquoi pas continuer avec lui si vous êtes satisfait. Le lien de son Telegram est en description. Pour jouer, il faut être majeur et non mineur. Je vous souhaite une bonne vidéo à tous et à tout à l'heure. Ciao. Salut Internet, c'est Kamov et il y a beaucoup de fumée. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Vous connaissez, je viens d'acheter un buggy. Donc qu'est-ce qu'on va faire avec ce buggy? Eh bien, on va laisser dans un endroit. On va laisser les clés sur cet endroit. Et puis, on va voir si les gens viennent le voler. Et s'ils viennent le voler, on leur cassera le fi... Blague à part, comme vous l'avez vu, on a acheté ce buggy d'ailleurs. On va sortir une vidéo sur la chaîne secondaire. Si elle n'est pas déjà sortie, je sais pas. Vu qu'on tourne tellement de vidéos que je sais plus. Mais en tout cas, on a fait une vidéo sur la chaîne secondaire où on a exploité les capacités du buggy. Si vous n'êtes pas allé la voir, n'hésitez pas à y aller, le lien est en description. Donc comme je vous l'ai dit, on va poser le buggy à un endroit, on va laisser les clés dessus, on va attendre que les gens passent. Et puis on va voir si les gens veulent voler ou pas le buggy. Et s'ils le volent, vous savez comment ça va se passer. Vous savez à tout moment qu'on les attrape ces gens-là et qu'on leur fait des sentences façon Kamov. Et c'est pour ça que vous aimez nos vidéos, parce que vous regardez les sentences façon Kamov. Il croit qu'il est à la plage, quoi. Le maillot, il va à la piscine. Je sais pas. Ouais, c'est taillé. Hein. Ça commence à faire long, frérot. Il faut qu'on change d'endroit. Il revient, après, il revient. Que... Ah, oh putain. Qu'est-ce qu'il fait, gros? Qu'est-ce qu'il fait? Attends, bouge pas. Voilà, se met un peu. Il ouvre le coffre, le bâtard. Il y a rien dans le coffre? T'as rien laissé dans le coffre? Il y a deux habits, c'est tout. Mais il est fou, frère, les gens ils se croient tout permis, c'est incroyable quand même. C'est fou, gros, quand même. C'est fou. Le mec il rentre et il fouille les affaires, gros, il regarde les vêtements, comme il regarde. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Gros, si je l'entends démarrer, je cavale vers lui. Et toi, t'essaies de me suivre. Tant qu'il a pas démarré, je bouge pas, je vais voir ce qu'il fait. Ouais, tu rentres? Il rentre. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Si je vois les... Hop là, il a pas compris. Il y a un truc qui lui a fait peur, gros. Il y a un truc qui lui a fait peur, gros. Ouais, il y a un truc qui lui a fait... Ça lui a pas... Bon, ben voilà. Ben voilà. Au moins... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il branche? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait?
va attendre un peu, voir ce qu'il fait, parce que je comprends pas son délire. Ah, enfin. Bon, on y va, non, frérot? Vas-y, prends la caméra, on va lui dire que... Bonjour. C'est à vous? Ouais, c'est à moi. Qu'est-ce que vous faites? Les clés dessus, genre, il y a des personnes qui peuvent passer et... Ah! Allez-y. Et bon, je peux récupérer les clés, c'est bon? Comment je sais que c'est le vôtre maintenant? Parce que vous êtes je peux vous dire ce qu'il y a dans le coffre? Je peux vous dire ce qu'il y a dans le coffre? Ouais, je veux bien. Allez. Mais dans le coffre, il y a une corde jaune. Et une casquette Dragon Ball. Voilà. Ici, la corde jaune, elle est là. Ok. Donc c'est bien le mien. Et je vais même vous dire mieux, pour vous prouver que c'est le mien. En fait, on fait une petite expérience sociale sur Internet, parce qu'on fait des vidéos sur YouTube. Et il y a mon ami qui est juste derrière là-bas, qui filme. Ah ouais. Et du coup, voilà, en fait, c'était une expérience sociale pour voir si les gens, ils volent le buggy ou si, voilà. Et vous l'avez pas volé, donc c'est super. Merci. Ouais, mais genre, ça fait quand même un moment que je patiente. Puis il y a des gens qui m'ont dit, vous êtes resté quoi, 10 minutes. 10 minutes, t'as tout cassé, vous êtes resté. Ouais, mais je suis en randonnée, je suis tranquille. Ouais, je sais. Voilà, faire attention, je reste là parce qu'il y en a un qui vous le vole, bah, merde. Ouais, c'est vrai, non, mais je suis désolé, après, si je vous ai coupé dans votre élan. Ça fait chier, imaginez, il y en a qui vous le vole. Il part, comment vous l'arrêtez aussi? Bah, on arrête, c'est le but, c'est nos vidéos, on fait que ça. Bah après écoutez, merci pour les clés. Mais après, faut pas non plus être mal poli quoi, d'accord? Voilà. Donc c'est bon, allez-y, vous pouvez y aller. Merci en tout cas pour votre honnêteté. Pas pour votre politesse, mais pour votre honnêteté. Allez. Ouais. Merci. Bon, on va bouger. Pardon? Par contre, le bruit là, c'est pas possible. Je suis en randonnée, j'aimerais bien être tranquille, quoi. Je balade, c'est pour être tranquille. Non, en fait, écoutez, monsieur, on m'a pas parlé sans temps. S'il vous plaît, prenez votre chemin. Je peux, j'attends. Si vous voulez, j'attends que vous allez un peu plus loin. Je démarre après. Allez-y, s'il vous plaît. Ouais, mais je vais vous entendre. Vous allez m'entendre de quoi? Je vais descendre en bas. Je descends. Ouais, ça résonne là dans la vallée, tout ça. Bah, écoutez, arrêtez parce que ce qui va résonner dans pas longtemps, c'est ma main dans votre gueule. D'accord? Mais je suis clair, ouais, là. Non, mais je. Écoutez, vous êtes mal poli déjà. Vous êtes mal poli, vous venez. Ok, vous êtes gentil, super. Vous m'avez gardé les clés et tout. Vous me dites, ouais, vidéo à la con et tout, j'ai pas le temps. Alors, tracez votre route, merci pour les clés. Et basta, pourquoi vous. Continuez à faire temps, les laisser ici et attendre. Hein. Mais allez-y, je descends en roue libre si vous voulez. Allez-y, j'ai pas envie de prendre. J'ai pas envie, c'est bon, vous êtes gentil en plus de base, vous avez gardé les clés. Pourquoi vous cherchez les problèmes? C'est quoi le but? Bon, allez, monsieur, c'est bon. Je descends en roue libre et basta. Allez. Je vais rester ici et puis je vais attendre si vous descendez bien en roue libre. Sinon, j'appelle les flics. Hein. J'ai pas le droit d'être ressenti ouais, et... comme ça. Oh, c'est lourd, putain, c'est lourd. Oh, va-t'en. Mais t'as que ça à faire. Va-t'en. T'es filmé en plus, tu passes pour une cassos. Va-t'en. Allez, monsieur, c'est bon. Bonne journée, je démarre, je m'en vais. C'est bon, on va pas se prendre la tête 20 ans. Ça, reste tranquille, hein. Reste tranquille. Ah, alors, écoute-moi. Vas-y, allez. C'est quoi? Tu as des couilles? Allez, vas-y. Allez, jette-le. Non, j'ai pas démarré, j'ai pas raison de jette-le. Regarde. Je vais démarrer. Regarde, je vais démarrer et après tu le jettes, d'accord? On fait comme ça? Allez, vas-y. Voilà. Allez, vas-y, jette maintenant. Allez, jette. Parce que tu jettes la pierre, je te jette en bas. Moi. Vas-y, jette. Jette, depuis tout à l'heure, je suis gentil, je te manque pas de respect. Vas-y, jette. Ouais, c'est bon. Faut pas parler avec. On peut parler avec vous, j'ai une pierre dans la main. Non, c'est bon. Je vais discuter. Je vais parler avec vous gentiment. Je vais prendre des balles. Allez, vas-y. Mais c'est grave. Bon, vas-y, viens, on se taille, Fontaine, et on bouge. On va aller dans un autre endroit et on va faire une autre prise. Et voilà, ça fait déjà un moment qu'on est là et c'est fatigant. Je suis fatigué, frérot. Je suis fatigué. Ça commence à faire un moment qu'on attend. Ah, ça commence à faire un moment. Il y a un mec arrière. Ouais. C'est un jeune en plus. Qu'est-ce qu'ils font les gens seuls? Je comprends pas ce qu'ils font les gens seuls, frère. Il a une vingtaine d'années, le mec. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il y a déjà un bizarre. Celui d'avant, il avait un sac. En randonnée. Ouais.
L'autre il est en claquette chaussette. Qu'est-ce qu'il y a, lui il cueille des fleurs sur le... Il cueille des fleurs. Qu'est-ce qu'il fait, frère? Je peux regarder s'il y a personne. Ils sont fatigants, les gens, putain, c'est long, plus c'est long. Il cueille des fleurs, frérot, il cueille des fleurs. C'est bizarre. Il fait un bouquet. Il fait un bouquet. Il va le vendre. Mais il cueille des fleurs autour du buggy, genre. Mais il les mange, les fleurs? Je sais pas ce qu'il fait. Déjà, il a l'air de connaître parce qu'il a ouvert la porte d'entrée. Allez, go. Viens vite, vite. Oh putain, il se barre, il se barre. Fils de pute, tu peux pas laisser le buggy comme ça. Putain. Fils de pute. Bon ben, on va essayer de le remettre droit. Comment? On va essayer, au pire tu as une corde, je sais pas. Putain. Non, on va pas le remettre, c'est impossible à deux. C'est impossible. Faut appeler quelqu'un au moins. Là, on est bloqué. Et je peux même pas aller chercher à ce fils de pute là-bas. Je peux même pas y aller, frère. C'est bon, arrête de fumer, ça m'a compris, gros. C'est bon, en vrai, ça y est. Fils de pute, il est neuf. Vas-y, je vais appeler quelqu'un. C'est bon, gros, arrête de fumer, on arrête la vidéo comme ça m'a gonflé. Franchement, pour des vidéos YouTube, frérot, tu vois. C'est bon, c'est bon. Ok. Vas-y, coupe tout.